First, let's, you know, give the, I will give the floor now to Slim Amamu. He is a former Secretary of State for Sport and Youth in Tunisia. And he has graduated from the Superior Institute of Technological Studies at the University of Susa, I think, and he, since that, he created and managed several projects and companies specialized in software, the Alpha Studies Agency, Alexis, Maraket. Okay, additionally, Salim is influential blogger and author of Read Write Web France. So, giving you the floor. Shukran. باش نتحدث باللغة الفرنسية لأنه للأسف لهجتي ماهيش مفهومة مليح أسهل للناس كل واللغات الأخرى ديما أثرى. Donc je vais parler en français. Alors, je remercie les organisateurs de m'avoir invité parce que c'était un plaisir d'assister à tous ces débats et très enrichissant aussi. J'ai appris beaucoup. Je suis venu pour parler. Je suis, comme monsieur a dit, informaticien et aussi politicien. Et donc je suis venu pour parler d'Internet et de l'éducation sur Internet et à travers Internet. Je ne sais pas si cet instrument puissant qu'est Internet, bien sûr, il fait des révolutions, mais tous les jours, les jeunes s'éduquent sur Internet, s'éduquent eux-mêmes sur Internet. Tous les jours, ils se cultivent eux-mêmes sur Internet. Je sais que ce n'est pas évident au premier abord, mais la masse de lectures effectuées par les jeunes, les liens qu'ils suivent, les articles qu'ils lisent à travers les médias sociaux tous les jours est énorme et est en augmentation constante. Les vidéos qu'ils regardent aussi. Et donc, il y a une nouvelle manière de s'éduquer qui est un fait. Et cette manière fait que, ou découle du fait que l'accès au savoir est maintenant un problème résolu. Internet fait que tout le savoir existe et est accessible à tout le monde. Et donc, les systèmes éducatifs et, actuels n'ont pas suivi ce changement. Ils sont toujours dans la transmission de savoir. C'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin de simplement transmettre un savoir, puisque le savoir, il existe et il est accessible. Pour la plupart du monde, je veux dire par là que quand je dis le problème est résolu, ça veut dire que l'UNESCO devrait se contenter de fournir l'accès à Internet à tout le monde dans un de ses programmes et le problème de l'accès sera résolu. Donc, par contre, transmettre le savoir à l'école d'une manière institutionnelle ne sert plus à grand-chose. Alors, que devrait faire en fait l'école, à mon avis? Puisque les jeunes apprennent les uns des autres, ce qu'il faudrait, c'est de leur... Ce serait, au lieu de leur transmettre le savoir, ce serait de leur apprendre à transmettre, eux, le savoir à leur père. C'est-à-dire qu'ils devraient apprendre à apprendre et apprendre aux autres. Donc, il faudrait une méta-éducation à l'école publique ou dans les programmes officiels. J'ai écouté beaucoup de conférenciers ici qui parlaient aussi de programmes qui sont dans ce sens, notamment ce matin. Et je voudrais préciser un peu ma pensée dans le sens où nous sommes au 21e siècle et je pense que les jeunes, moi j'ai un garçon de 10 ans, et je pense que mon fils est capable de
comprendre des concepts de pédagogie, de comprendre comment partager le savoir, comment critiquer le savoir. Et c'est une notion très très importante parce que, comme l'a dit Amr, beaucoup de débats ont tourné autour de la radicalisation, malheureusement, mais c'est l'actualité qui fait ça. Et critiquer le savoir pourrait être une clé pour contrer ces phénomènes de radicalisation. Et donc, je disais, il faudrait une méta-éducation, c'est-à-dire que les enfants devraient être enseignés comme s'ils étaient des enseignants, c'est-à-dire training of trainers. Et si on introduit ça, cette notion à l'école, je pense que beaucoup d'éléments qui permettent aux enfants de gérer l'une des problématiques de l'information sur Internet et du savoir sur Internet, c'est, comme l'a dit Haytham précédemment aussi, c'est les silos, les ghettos, par exemple. Apprendre aux enfants ce qu'est un ghetto électronique, pourquoi on a ces chambres d'écho où on s'entend soi-même parler sans voir la différence de l'autre. Il y a aussi le problème de la surabondance de l'information et comment le traiter. Je pense que ces problèmes-là devraient être les problèmes qui sont le centre de l'éducation. Et je pense que les enfants devraient avoir les outils, on devrait donner des outils aux enfants pour traiter ces choses-là et pour les comprendre. On devrait apprendre aux enfants la méthode scientifique et la méthode journalistique, parce que l'idée, c'est que maintenant, ils ne sont pas uniquement des récepteurs, maintenant, ils sont des émetteurs de savoir et d'information. Et donc, ils devraient pouvoir discriminer, distinguer les bonnes informations des mauvaises. Je pense qu'aussi, il faudrait apprendre aux enfants la différence entre la foi et la science. Et je ne parle pas uniquement de la religion quand je dis la foi. Je pense que plus généralement, il faudrait qu'ils comprennent la différence entre ce que l'on croit et ce que l'on sait. Et je pense que ça semble compliqué tout ça, mais je pense que des enfants sont tout à fait capables de comprendre ces choses-là si on leur explique d'une manière simple. Et je pense que c'est cela le centre d'une nouvelle éducation et d'une nouvelle culture. On ne devrait pas tout simplement transmettre ou donner du savoir, ça ne sert à rien. Et on devrait plutôt apprendre aux enfants à apprendre aux autres. Maintenant, il y a quelques petits problèmes et il y a quelques freins justement au partage. Et je pense que l'UNESCO aussi pourrait résoudre quelques-uns de ces problèmes parce que c'est une organisation très ancienne et très influente. Le premier, c'est que c'est, je ne sais pas justement si l'UNESCO est au courant, l'un des freins au partage de savoir, c'est la propriété intellectuelle. Et il y a un organisme qui s'occupe de ça aux Nations Unies, mais apparemment personne ne s'occupe du fait que la propriété intellectuelle est un frein énorme au partage du savoir, notamment dans les pays du tiers-monde. Et le deuxième frein, c'est tout simplement technique, on va dire ça, ce sont les services qui sont utilisés, qui sont centralisés actuellement, du genre de Facebook ou Twitter ou autre, qui imposent des règles d'usage aux utilisateurs et donc entre autres les enfants. Et donc, du coup, ils imposent une certaine censure sur le partage de l'information. Et donc, je pense que ce sont là les problèmes à traiter et non plus forcément le contenu en lui-même. Qu'est-ce qu'il faudrait créer comme contenu pour partager certaines valeurs à l'échelle du monde. Maintenant, il y a certaines valeurs qui doivent quand même être transmises parce qu'elles ne le sont pas. Notamment,
je pense qu'il y a un savoir ancestral qui n'est pas assez transmis et qui devrait être transmis. Mis à part ce savoir-là, c'est-à-dire ce savoir qui n'est pas transmis, donc on devrait l'aider à être transmis. Tout le reste, je pense, dans l'éducation des enfants notamment, devrait être concentré sur le partage et apprendre les méthodes. Il y a eu des conférenciers qui ont parlé d'un programme de l'UNESCO pour, enfin, ce que j'en ai compris, pour écrire une histoire commune de l'humanité. Je ne sais pas si le projet de l'UNESCO est aussi ambitieux, mais il devrait l'être. Je pense que ce serait très très important d'écrire une histoire commune de l'humanité, qui soit une histoire positive. La plupart des discussions ont tourné autour des guerres, la plupart de l'histoire de l'humanité, enfin, ce sont des histoires de nations, et donc forcément plus ou moins des histoires belliqueuses, avec des héros aussi belliqueux. Et je pense qu'on pourrait trouver dans l'histoire de l'humanité d'autres histoires qui sont basées sur la coopération pour que réunir. Je pense qu'une transmission de savoir, un programme de transmission de savoir organisé autour de valeurs, comme on a vu les efforts qui ont été faits à l'UNESCO, je ne suis pas sûr que c'est la bonne direction. Je pense qu'il vaudrait mieux être centré autour de l'histoire, c'est-à-dire ne pas se concentrer sur certaines valeurs, même si on sait qu'elles sont universelles et bonnes, mais plutôt trouver dans l'histoire de l'humanité, de chacun, des histoires qui communiquent ces valeurs, et non pas l'inverse, et non pas se dire on voudrait communiquer telle valeur, est-ce qu'on pourrait trouver des histoires qui communiquent ces valeurs. Et pour finir, donc, pour en finir sur le terrorisme, parce que ça a occupé la plupart des débats, je voudrais raconter quelque chose qui n'a pas été assez dite, ni dans la révolution tunisienne, ni qui a été occultée, ni dans les autres, égyptiennes notamment. Et c'est le rôle, en fait, des groupes de fans de football ultra dans la révolution tunisienne. La révolution tunisienne a généré une violence qui a été occultée. C'est-à-dire que le peuple a été violent. Il y a des policiers qui sont morts. Personne n'en parle, bien sûr, pour des raisons évidentes. C'est toujours le victorieux qui écrit l'histoire. Et en l'occurrence, c'est les révolutionnaires qui ont gagné cette bataille-là. Ces groupuscules, en fait, sont le trait d'union entre la radicalisation du côté sud de la Méditerranée et la radicalisation du côté nord de la Méditerranée. Et c'est très intéressant dans ce sens, parce que les groupuscules de fans de football, qui sont violents en général, sont tout aussi radicaux des deux côtés de la Méditerranée. Ils ont été bien utiles pendant la Révolution. Mais si vous voulez vous comprendre un petit peu la mentalité des jeunes radicaux en Europe, peut-être que ce modèle-là vous approchera l'image. Je parle de ça parce que ce sont des jeunes tout simplement en quête d'idéaux. Ils sont un peu perdus, ils cherchent un idéal. Celui-là ou un autre, ils sont diamétralement opposés des deux côtés de la Méditerranée, dans leurs idéaux, disons. Mais ils ont ce point commun qui cherche tout simplement un idéal, ils cherchent à devenir des héros. Et je pense que cet idéal, justement, il doit être créé. C'est-à-dire qu'il doit être créé par nous, et ça serait peut-être suffisant pour combler ce vide idéologique chez ces jeunes-là. Et je pense justement, enfin, j'ai vu tous les débats, que cet idéal pourrait être la Méditerranée. Ça a été pendant très très longtemps un idéal des peuples. Ça ne l'est plus depuis 200 ans, peut-être. Mais la Méditerranée a été une superpuissance tout au long de l'histoire. Et ces jeunes, dont l'idéal est de combattre pour une cause,
quelque part dans le monde, ou alors pour aller, leur idéal, ce serait d'aller en Europe, comme si c'était de l'Eldorado, ils pourraient avoir un idéal qui serait atteignable, mais peut-être dans 100 ans, oui, je finis, et que cet idéal serait la Méditerranée avec ce qu'elle a de beau et de lointain. Je vous remercie pour m'avoir écouté. Merci. Thank you, Slim. I think now we'll give the stage, you know, to the youth, and the priority will be to them, and not only because I am biased to the youth, but because most of the, you know, extremists are from the youth, and this is a problem, really. And as my colleague said, Salim, that we need to fill the ideological vacuum, you know, which is on the social media. So there should be no space, you know, for radicals' ideas or ideologies. So we are ready to listen to your questions. Thank you very much for the interesting comments. My name is Balabes Ben Kreda. I run a pan-Arab debate forum which uses the internet and harnesses the power of social media to achieve greater inclusion in public discourse. And we also run a television program that highlights some of these voices. And I'm doing research at Yale University on some of the issues that you talked about. And I think, Slim, you made a very important point, because in my view, we're working with paradigms from the 20th century to solve 21st century problems. Access to information in and of itself as an idea is very important, but it doesn't provide a solution in and of itself, because more opportunities to speak out don't necessarily mean that we're going to have more constructive conversation. So in a way, we need a shift in paradigms almost from, you know, perhaps access to information, the way we looked at the world in the 20th century, towards access to conversation, access to critical thinking, and access to debates more so than discussions. And I think that's very, very important. Now, you also mentioned the value of fact. I think in such a public sphere that works and that serves its communities and that is solution-oriented, facts have a specific value and that needs to be preserved. So how do we work towards fostering the sanctity of rational argument in discourse? And this is a global problem. This isn't an Arab problem. It's become global, certainly in 2016. So fact is what we know, and opinion is what we believe. And that's very, very important, because it's the connective tissue of conversation. So I think this is really important to look at it from a public sphere paradigm, to understand that freedom of speech doesn't have a democratic mandate. Neither does Silicon Valley, for that matter. We need to look at the public sphere as something that has extra layers of complexity that we really need to take into consideration before we have, you know, a conversation about how solutions could materialize. Thank you. Merci, Slim, pour cette présentation. On en avait déjà discuté, toi et moi, avant. Slim, en fait, a un parcours assez atypique qui parle à beaucoup de Tunisiens. Étant moi-même d'origine tunisienne, on pourrait en parler pendant des heures. Dans cette optique-là, ma question, elle s'oriente sur... je te rejoins tout à fait sur l'idée de para-éducation, etc. Ça me fait penser à des programmes en Uruguay, par exemple, qui s'appellent Computadora para Todos, où ils ont distribué des ordinateurs à des enfants en commençant une éducation basée sur les recherches Internet notamment, et ça a eu des résultats assez extraordinaires, et ça allait de 5 ans jusqu'à 15 ans. Maintenant, quand on parle d'accès à Internet et quand on parle de radicalisation, on est dans un dilemme. On a d'un côté des jeunes qui ont la liberté et l'accès à une information qui est infinie et dans laquelle ils doivent faire un tri. Et on est presque trop tard maintenant, on est presque en retard là-dessus. On n'a plus les moyens forcément. La preuve, c'est que les Tunisiens maintenant ont plus de 3000 djihadistes en Syrie. Et la majorité d'entre eux sont passés par ce système-là. Et d'un autre côté, on a un problème de limitation de l'information. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de pays, comme le mien, en Suisse par exemple, qui
limite l'accès à l'information avec des lois d'État, avec des services de renseignement qui ont de plus en plus de compétences. Maintenant, ce que j'essaie de penser en termes de plan d'action, quels seraient les outils de l'UNESCO dans ce dilemme-là pour, premièrement, garantir que chacun ait l'accès à l'information libre, que, deuxièmement, cela soit fait avec des méthodes de technologie qui parlent aux jeunes, en tout cas qui sont modernes, et surtout, comment on s'inscrit dans le long terme? Comment on résout ce dilemme-là? Voilà, merci. Ok, merci. Je n'avais pas pensé à ça, mais en fait, je pense que, bon, d'abord sur le plan législatif, comme j'ai dit, l'UNESCO est une organisation influente sur toutes les nations, et sur le plan législatif, il y a des choses à faire. Par exemple, on ne voit pas l'UNESCO, par exemple, prendre position pour cette loi en Suisse. Pourtant, il y a une relation, c'est-à-dire... Il serait évident que la censure, puisque l'UNESCO s'occupe d'éducation et de culture, la censure devrait être un problème pour l'UNESCO et elle devrait le combattre partout. Mais ce n'est pas le cas. Ça, c'est une première partie de la réponse. La deuxième, c'est que au niveau éducatif, c'est-à-dire au niveau de l'éducation nationale de chaque nation, les programmes scolaires, comme j'ai dit, devrait inclure des composantes de comment traiter l'information. J'ai appelé ça la méthode journalistique, mais pour un peu approcher l'idée. C'est que puisqu'on devient tous juges de l'information et de la qualité de l'information, un peu le fact-checking, comme il a dit, mais au-delà de ça, au-delà des faits, il y a une certaine qualité. Si je choisis telle information, si je choisis de partager, il y a une éthique du partage qui est à apprendre aux jeunes. Si je choisis de partager telle information et de ne pas partager telle autre information, pourquoi je le fais? Est-ce que, qui décide? Et est-ce que c'est mon choix? Et qu'est-ce que ça veut dire que j'ai ce, vous voyez, tout ça devrait être la base de l'éducation du futur. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Okay. Any other questions or remarks? Mahmoud al-Mullakhalaf, مثل العراق الدائم في اليونسكو, سفير العراق في اليونسكو. الحقيقة أود أن أبارك هذا التجمع الكريم الذي يناقش مسائل مهمة وضرورية. ولو أن مناقشة هذه المسائل جاء متأخرا, ولكن لا بأس. أن نبدأ في مناقشة هذه المسائل خير من أن لا نبدأ. أنني أتكلم باسم بلدي الذي اكتوى بنار الإرهاب والإرهابيين, ولا زلنا نحارب بمساندة بعض الدول لغرض القضاء على الإرهاب, ولكننا هنا في اليونسكو لقد حذرنا كثيرا وقبل فترات طويلة وجهنا نداءات عديدة بأن هناك بعض الدول وهناك بعض الأنظمة تعمل بمعايير مزدوجة, فمن جهة تدعي أنها تحارب الإرهاب ومن جهة أخرى تمول الإرهابيين أو تسهل وصول الإرهابيين إلى بلدنا أو بلدان المجاورة دون أي حساب أو أي رقيب. هذا مهم, موضوع مهم جداً. يجب أن تكون هناك معايير واحدة لمكافحة الإرهاب. لا يوجد إرهابي جيد وإرهابي غير جيد, إرهابي مقبول وإرهابي غير مقبول. الجميع هم إرهابيين, وهذا ما نعاني منه نحن. بلادي جزء منها أصبح ساحة لمكافحة الإرهابيين من كافة دول العالم, وبتسهيل من دول, وبغض نظر من دول أخرى, وبتمويل من دول, وتجهيز سلاح من دول أخرى, ويذهب الضحايا الدماء العراقية التي تكافح وتحارب الإرهاب الآن وتحريره, ونحن عازمين إن شاء الله سينتهي قريبا جدا الإرهابيين, ولكن يجب أن تقطع أوصال الإرهاب. كيف نقطع أوصال الإرهاب؟ لقد ناديت كثيرا في اليونسكو ووجهت نداءات عديدة أنه يجب أن نراقب المناهج الدراسية
يجب أن نراجع المراجع المناهج الدراسية والسيلبوس والكوريكولمز والمفردات المناهج أيضا ندخل فيها. وقلت أن بلدي مستعدة أول بلد لتطبيق هذا الموضوع مراجعة ومراقبة المناهج الدراسية، لأنه الإرهاب ينشأ ولدينا معلومات كافة أن الإرهاب ينشأ من خلال الكتاتيب والملالي وشيوخ الجوامع والمساجد، والفكر الإرهابي المتطرف والمتخلف ينشأ من هذه الأماكن الموبوءة والتي تجعل الدين غطاء لها، والدين منها براء. الإرهاب ليس له دين وليس له مذهب وليس له مطن. والآن عندما اكتويت بعض الدول الأوروبية والدول الصديقة بنار الإرهابيين الذين سهلت مجيئهم وعادوا لكي يمارسوا الإرهاب، بدأنا ننتبه لهذه الظاهرة. يجب أن يكون هناك وقفة عالمية ودولية شاملة لوأد الإرهاب من مهده، وعدم السماح وعدم النظر إليه بمعايير مزدوجة. الإرهاب هو إرهاب واحد، ولا دين للإرهاب ولا وطن. شكرا جزيلا. يعني حبذا لو نلتزم يعني الموضوع الخاص بالإعلام، يعني stick with the subject with the topic. As Salim was saying, about the internet, especially we had a discussion about the role of the internet before the revolution and the uprisings in the Middle East, and after the uprisings in the Middle East. So after the uprising in the Middle East and in the 2011 and 2012, we thought that the internet is the magic wand that will just come and be like the solution for everything. Now we have a platform against the government. Now we can like raise topics about human rights, about the marginalized, about everything that's happening in our region. Because I think as youth in the Arab world, our biggest enemy is the official statement that always comes from the media and the regimes and so forth. But after a while, we discovered that actually the online sphere is used more for extremism and for the discourse that actually coming from the same regime. And we discovered that 80%, in my country at least, we discovered that around 80% of the internet usage is going to porn, and the rest of Facebook, the most shared videos are like kittens and dogs. So I think now it's very urgent to understand that we are in a chase. It's a race between many entities that wants to hijack this new medium, as they hijacked before the media, the press, the TV channels, everything. So we are in a real chase right now. All the regimes in the world, not just in the Arab countries, are using the social media and the online sphere as a new source of propaganda. On the same time, the extremists using the same sphere with a lot of money and a lot of logistics to recruit more people. So it's now more than ever that we have to rush and join this chase to promote activists, to promote analytical thinking, to promote platforms that actually can stand out in this chase and really can be an opposite to both enemies. Because I really believe that the both enemies we're having right now is the propaganda of the regimes, and secondly, the extremists who are using this fear to spread more hatred and spread more violence. So I think the only party in this that doesn't have the logistics and the money and the support is the third party that promotes democracy, human rights, etc. So I really believe that if UNESCO can do anything, it should be promoting and like helping and supporting these platforms. And there are plenty of them in the Middle East that actually wants to go out, but they don't have the money, they don't have the resources. So I think this is the main goal we should really focus on right now. Thank you. Actually, there are a lot of efforts from governments for let's call it propaganda, but somebody talked already about the influence. Now, influence on the internet is automated, and the bigger the regime or the like superpower, the more power they have to influence people. Now,
big countries like USA have and UK, for instance, and France have programs that I call de-radicalization, or and which basically consists on an army of people doing propaganda online, counter propaganda, let's say. Yeah, digital troops, which our regimes has done for years, for example, in Tunisia and Egypt, which is not new for us. And those are aided by robots, actually. Computer programs that do that stuff automatically. And this is also a whole other issue about the propaganda. But it's not only propaganda. It's operation of influence. And to scare you a little bit, USA, for example, now has the capacity to totally control what the information input one person has. I mean, they could target one person, like the head of the UNESCO, and totally control what kind of information he gets from the internet and what kind of information he does not get. And he doesn't even notice it, okay? And this is actually very, very dangerous. And I think that it's a duty for the UNESCO to counter this kind of activities in the 21st century, because they never used their power to counter neither censorship, neither propaganda, but this time I think it's the right time to do that. Thank you very much. I think we have to end at this point to give you a chance to the other speakers.